Allez, salut, c'est parti pour les 3 heures de test des jeux PS Plus. Salut ceux qui sont déjà là, j'ai Lix, Lily et Chadbit. Donc, au programme, 6 jeux comme d'hab. On commence avec les jeux PS3 parce que c'est les seuls qui. Enfin, il y en a un seul qui jouera pas sur PS4. Donc, les jeux PS3, on aura Anna et Star Wars. Après, ce sera les jeux PS Vita, mais qu'on jouera sur PS4, ça sera Ninja Senki DX et Torkel. Et enfin, les jeux PS4 qu'on jouera sur PS4, pour une fois c'est juste, Not a Hero et Little Big Planet 3. Donc, à part Little Big Planet 3, j'en connais aucun. Ou en tout cas, de nom, ça me dit rien. Voilà, le seul truc qui changera, c'est que je ferai une coupure VOD entre chaque jeu, parce que ça me fait chier après YouTube. Si jamais il y a un jeu qui utilise des musiques, ça me mute les deux jeux qu'il y a dans la vidéo, donc c'est chiant. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. La PS3, c'est prêt. Il y a des lus sont super forts. On va espérer que dans le jeu ça sera moins fort. Sinon, il va falloir que je règle un peu. Oui, bah c'est normal qu'elle enfin, on fixe sans son, puisqu'il n'y a pas de jeu défini. Donc il n'y a pas de son. Ah oui, merde, il faut que je. C'est vrai que la PS3, c'est de la merde à capturer. Ça a l'air d'être super fort. On va peut-être le régler dans le jeu. Ok, Chadbits, il n'y a pas de souci si ça marche mieux pour toi sur Xbox. Après, peut-être pour le chat, tu peux peut-être mettre le chat de Twitch en pop-up seulement, un truc comme ça, pour pas pouvoir suivre quand ça part de l'autre côté. Alors, le son, s'il te plaît, le jeu. Oh là, tu m'as réagi. Non mais tu te fous de ma gueule. Je vais dans les options déjà. Ah déjà je râle. Attends, faut faire valider là pour que ça prenne en compte ou... Ouais, à chaque fois qu'il va y avoir une sauvegarde, si on se tape 5 secondes de chargement, ça va être chiant. Bon, alors est-ce que le son va mieux? Ouais, le son a l'air d'aller un peu mieux. Ah oui, bah c'est sûr que si t'as pas de PS3, tu peux pas tester. Hein. Ça, voilà. Allez, je vais muter mon retour. On va dire que ça va aller pour l'instant. Et on va voir ce que ça va dire. Oui, bah, les menus relous, la sauvegarde relou. Enfin, tout a l'air relou déjà dans ce jeu. J'espère que c'est un peu plus intéressant au niveau gameplay. Bah, j'espère que c'est pas ce qu'on pensera du jeu, hein. J'espérais t'avoir oublié à jamais. Bon, après le loading sur de la PS3, ça m'étonne pas tellement. Mais la sauvegarde, c'est un peu violent. Ah, je peux bouger. C'est un peu. Ouais, c'est un peu moche, hein. On a vu des jeux PS3 de plus joli quand même. Ah, c'est. Si vous voulez régler votre écran sur le vert, allez-y, hein. C'est du vert 255-00. Hein. C'est plus vert que ça, tu meurs. Ah bon, je ne peux pas aller là. On va aller dans la maison. Pas. Oh là, ça va être un truc où il va falloir qu'on surveille des machins. Il y a des boutons? Ah ouais, il y a un truc. Il y a trop à lire. Quoi? Ok, donc j'ai cru que je pouvais m'accroupir, mais en fait non. Ou peut-être. Ah, oh, j'ai un menu. Putain. Attends. Ah oui, j'ai un autre menu. Menu d'intuition.
Ah oui, j'ai réussi à me baisser en fait. C'est rond pour. Non, si. Ah non, c'est vrai, c'est R1, R2 pour monter et se baisser. Ok. Moi. Moi. Waouh. J'ai pris moi, je l'ai mis au centre. J'ai pas compris. Briquet. Le briquet est presque vide. Un couteau. Ok. Oh putain. Bon, on va arrêter de faire des trucs. C'est une gourde, un carnet, un téléphone portable, un document. On peut faire quoi avec le téléphone? Pas de réseau. D'accord, super. Ouais, non, mais chat. Ouais, Chatbit est encore là. Tu peux juste ne pas mettre la vidéo Twitch, mais juste le chat en fait. Si tu veux parler avec les autres. Mais tu peux garder la. La. Oui, bah l'intérieur, c'est à l'intérieur. Si tu veux garder quand même la vidéo sur Twitch. Qu'est-ce que je viens de ramasser? Un galet. Ok, super. Ah, une branche. Elle est où la branche? Ah oui, c'est un menu radial avec des pages. Oh putain. On est à l'apogée du gameplay. Ah, attention. Ah, encore des galets. Oui, on va peut-être arrêter de prendre tous les galets du monde. Ah, je peux bouger les galets. Ouah, je peux bouger les galets. Est-ce qu'il y a un trou sous les galets? Hein? Attends, est-ce que je peux poser mon galet sur les galets? Oh putain, la physique. Oh, je crois qu'on va pas essayer de poser les galets sur les galets. Hein. Ah, je peux pas sortir. Ok. Oh, je sens qu'on va tourner trois plombes dans dans le jardin. Parce qu'on peut pas aller là. On peut pas. Ah, encore un galet? On peut ramasser encore un galet? Oui, j'en ai déjà un. Oui, bah voilà quoi. Peut-être une porte là. Ah, ça ne veut pas bouger. Oh. Alors, est-ce que je peux l'attraper avec le couteau? Comment on fait pour s'en servir? Non, c'est pas ça. Ça y est, c'est parti avec les énigmes de j'essaye à peu près tout ce que j'ai sous la main. Ah, t'as vu ça comme je suis fort. Ouais, non, mais Chadby, ce que je disais, c'est tu peux laisser la vidéo Xbox, mais ouvre Twitch et enfin tu coupes la vidéo Twitch en fait, tu laisses juste le chat si tu veux discuter avec les autres. Je n'arrive pas à l'atteindre. Il y a 30 secondes, t'es arrivé à l'atteindre. Ok. Oh putain. Oh putain le jeu. Est-ce que je peux piquer des planches, un truc, quelque chose? Non. Un tabouret. Est-ce qu'il y aurait un tabouret, un truc? Je vais pas prendre les cailloux là pour faire un truc. Sortir. Non, on peut pas sortir. Bon, et là, c'est la porte qui marchait pas. Enfin, forcément faire quelque chose avec l'engrenage. Ou alors, comment on va choper l'engrenage? Ah, oh. Ah, avec la branche. Ah oui, évidemment. Alors, comme c'est magique. Attention. Ah bah non. Ah si. C'est au pixel en plus. Attention. Oui. Ah ça, j'ai trouvé tout seul le bâton. Ça va. Donc maintenant j'ai quoi? J'ai un engrenage. Super. J'en fais quoi? Non. Ok. J'ai un bout d'engrenage, mais j'ai pas trouvé de truc où mettre un bout d'engrenage quand même. Une porte. Est-ce que tu veux monter là? Non, tu ne peux pas monter là. Le seul problème, c'est que je suis sur mobile. Ah bah oui, forcément, si t'es sur téléphone, ça va pas être très pratique. Allez, ah, j'ai plus besoin de galets. Ok, bon. Non, mais de toute façon, je lis s'il y a des trucs. Je vais essayer de faire le lien entre les deux chats.
Mais je m'en fous de l'intérieur, je vais te donner un truc. Gourde, un carnet, un téléphone, des documents. Il y a quoi dans les documents? Oui, d'accord, merci. Non, pas, on s'en fout. Ça, c'est mon carnet tout à l'heure. Ça a l'air d'être un prof, mais il ne donne pas la réponse. Oh putain. Il y a combien de pages à son carnet là? J'espère qu'il n'y a pas l'astuce dedans parce que. Enfin, l'indice. Une intuition? Non, j'ai pas d'intuition. Des branches, on peut rien en faire. Je commence à savoir qu'il y a des trucs éparpillés partout. Je vais récupérer encore un objet sale. Ok. C'est recouvert de poussière. Ouais. Ah, il y a des trucs là. Des feuilles d'érable. Bah vas-y, prends des feuilles d'érable. Ah, je vais combiner les feuilles d'érable avec l'objet sale. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, intuition. Feuilles d'érable. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Il n'y a aucun érable dans les parages. Ouais, ok. Alors, il y a un truc en bas à gauche, la porte de derrière. Non, en fait, c'est juste du mur. Ouais. Attends, par contre, je voudrais nettoyer les objets là. Alors, je prends l'objet sale. Là. Je combine avec ça. Ça ne marche pas. Ok. Peut-être dans l'autre sens. Je prends la feuille d'érable. Je combine. Non, ça ne marche pas non plus. Bon. J'ai pas compris l'intuition, mais bon. Bon, je suis avec des trucs et je sais toujours pas quoi faire. Et puis, il n'y a pas d'érable là, de toute façon. Là, on est au courant. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc caché là, machin, dans les fleurs? Il y a des trucs dans les fleurs, non? Non, il reste rien. Hein. Alors, si quelqu'un a des super idées, non, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je pourrais faire? Déjà, l'objet sale, j'aurais bien le nettoyer, mais bon. Ah, moi. Qu'est-ce que je peux faire avec moi? Pourquoi je peux travailler moi? J'ai mis moi. J'ai moi, je l'ai pris, je l'ai foutu dans l'inventaire. C'est super, hein. Non, c'est des pierres, ça, c'est pas. Oui, alors attends, moi on s'en fout là. Ah, il y a un truc là. Une petite. Ah, j'ai trouvé une petite porte. Alors attention. Elle attache les portes. Ah, il va falloir couper la ficelle. Oh, merde. Hop, avec un couteau. Voilà, c'est bon, j'ai ouvert la porte. Y a pas une touche pour afficher tous les points qu'il y a. Bah, je sais pas, j'appuie sur toutes les touches. Un mur fissuré. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, c'est un mur fissuré. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un mur fissuré? Puis arrête de m'emmerder avec le feu. Voilà. On va faire ça à main nue. Mais attends, pourquoi? Ah non, c'est puzzle, d'accord. Il m'a juste dit qu'il y a un puzzle. Alors, est-ce que je mets les morceaux d'engrenage? Non. Est-ce que je mets l'objet sale? Non, bah, il paraît que ça. Ah! Ah! Bon. Non, un couteau, on peut rien faire. Le briquet, on peut cramer les trucs. Non. La branche. Aïe, qu'est-ce que je viens de faire? Les documents. Ah, je peux ouvrir les documents, mais je sais pas pourquoi. Waouh, je sais pas pourquoi on a fait ça avec une branche, mais. Mais on a fait des choses. Bon. Bon, branche morte. Je vais récupérer ma branche. Non, d'accord. J'y vois rien. Bah, j'ai un briquet. Ah, bah si, je vais cramer la branche. Voilà. Oh!
Ah, attends, oui, c'est vrai qu'on peut faire ça. On peut s'accroupir un petit peu. Alors, mécanisme, on va prendre le bordel là. Là. Je sais pas où faut le mettre. Bon, attends, faut aller. On va étudier le mécanisme. C'est étrange, j'ai l'impression qu'il manque des pièces. Oui, bah, je les ai, les pièces. Je voudrais les poser, justement. Je peux mettre l'objet sale. Non. Ok. M'asseoir plus bas là. Il faut peut-être que je trouve l'autre morceau de rouage. Alors comment je vais nettoyer? Ah ouais, ramasser de l'eau, c'est pas con. Alors attends, on va essayer. Où je trouve de l'eau? Est-ce que je peux? Ah bah oui, il y a ruisseau. Alors hop, voilà, merci. Et ensuite, on va prendre la gourde. Quelle est la gourde? Elle est repassée derrière, super. Que je vais combiner. Ah, non, pas avec l'objet sale. Non. Ça ne marche pas. Alors on va faire en inverse. On va prendre l'objet sale, et on va combiner avec la gourde. Non, ça ne marche pas non plus. On va mouiller les feuilles d'érable avec la gourde. Non, ça ne marche pas non plus. Dans ce sens, non. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai une gourde. C'est bien maintenant, on a une gourde pleine, mais on peut toujours pas nettoyer. Est-ce que je peux combiner l'objet sale direct en fait? Non. Ah, bon, je vais peut-être pouvoir. Non, mais je vais nettoyer directement l'objet dans l'eau, en fait. Suis-je bête? Voilà. Ah, voilà, c'est bien parce que à chaque fois que je lis que t'as mis la réponse, j'ai déjà trouvé. Alors, oui, on s'en fout comment il a atterri. Allez, maintenant on va regrouper. Hop. Voilà. Bon, maintenant on peut aller le poser. Faut quelque chose pour les tenir. Oh, tu me fous la gueule. Mais non, mais j'ai une ficelle. Regarde, je vais prendre ça. La ficelle, où est-ce qu'elle est? Ah, ou la feuille d'érable? Non, la ficelle. Ah, j'ai réparé l'engrenage avec une ficelle. C'est vachement logique. On va pas poser de questions. Et puis non, c'est tout beau. Hein. Et je vais poser l'engrenage dans le mécanisme. Wouhou! Oui, et qu'est-ce qui devrait fonctionner? Comment on le fait marcher? Mais non, il manque plus de pièces là. C'est bon, ça fonctionne. Comment on lance le truc? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lancer le mécanisme? Pas ça. Non, on s'en fout de ça. Peut-être que je peux utiliser moi. Moi ne peux pas faire des trucs avec le mécanisme. Peut-être que la porte en haut elle s'ouvre maintenant. Peut-être que la porte en bas elle s'ouvre. Oh, sont pas trop capés ou traptés. Peut-être qu'il y a des trucs derrière qu'on n'a pas vu, qui sont liés au mécanisme. Non. Donc elles sont logiques, mais il faut comprendre le principe du jeu, quoi. Non. Va falloir déclencher le mécanisme, mais je ne sais pas comment. C'est quoi encore ce truc? Un galet. On peut encore ramasser les galets? Non. Je peux prendre le galet? Qu'est-ce qu'on va faire pour lancer le mécanisme? Alors il y a un pixel que j'ai pas vu, mais il manque pas de pièces là. Voilà. Enfin, une branche. Bon, on peut essayer de faire des trucs avec la branche, non? Un truc avec mon téléphone, je sais pas. Oui, mais je voulais le mettre au milieu, il veut pas.
Puis la gourde, il veut pas non plus. Merde. Ouais, ça reste logique quand t'as trouvé les trucs. Peut-être qu'on peut remettre un truc là-dedans. Genre. Peut-être que je pourrais remettre de l'eau, peut-être. Non. Faire des trucs avec la branche. Non. Mettre une feuille, non plus. Mettre moi, non, non plus. Nanana. Bon, il se passe quoi ici? Ruisseau, 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 il y a que le ruisseau là. Ah, il y a un truc là-bas. Non, c'est des cailloux. Ruisseau, ruisseau, ruisseau. Bah, non, si on trouve pas quelque chose dans le ruisseau. Non. Là, il y a nos feuilles. Je comprends pas comment ça marche l'intuition. Bon, attends, peut-être qu'on va lire l'aide. Ah oui, ça s'ouvre de l'intérieur, donc je suppose que c'est le mécanisme. Mais aide et options, d'accord, c'est où les aides? Je veux bien qu'il y ait les options, mais il n'y a pas l'aide. Ah, système d'aide. Touche. Okay, c'est quelle touche? Intuition. Ouvrir l'inventaire, sortir la caméra. Aide, select. Ok. Non, je peux pas aller dans l'eau, c'est complètement bloqué. Alors, aide. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut pour réparer les mécanismes et entrer dans la maison. Merci. Merci. Ah, j'aime beaucoup. Ah. Si je mets une branche pas morte sur la branche morte. Non. Si je mets. J'ai tout ce qu'il faut, voilà, mais on sait pas quoi. Mais donne-moi une autre aide là, ça m'aide pas du tout ça. Nous avons un mécanisme, il faut trouver l'endroit où le mécanisme va s'activer. Mais je sais pas c'est où. Il est sous les escaliers. Imaginons, ça remonte pas, je sais pas où. Je sais même pas ce que, qui fait tourner quoi là-dedans. Je suppose que c'est là-dedans, ça fait tourner ça, et puis ça part vers, je sais pas où. Ça fait tourner un truc, mais ça ne sert à rien. Tout bizarre quand même là. C'est la branche. Peut-être que j'enlève la branche en fait. Comment j'enlève la branche? Avec le couteau? Non. Ah, je peux peut-être éteindre l'eau maintenant. Non. Je suppose que c'est la branche qui fait chier, non? Je sais pas. Oh putain, on va rester bloqué sur cette énigme. Et là, il y a un truc bizarre, là. Ce caillou, là, il est bizarre, il est tout blanc. Y a rien. Bon, je veux bien cramer toutes les feuilles de la maison, mais je suis pas sûr que ça marche. J'ai pas loupé des trucs. Des rochers de merde. Nanana, truc caché au bord de la porte. Non.
Oui, bah de l'intérieur, je suppose que c'est le mécanisme, ça j'ai compris le jeu. C'est juste que je sais pas comment j'active le mécanisme. Ça me dit que c'est pas réparé, alors que c'est totalement réparé. Que là, quand je clique, c'est sur branche morte, je sais pas pourquoi. Et la feuille d'érable, je sais pas quoi elle sert, mais bon. Elle, le retour ça marche pas. C'est bizarre. Attends, je fais ça. Retour. Pas un pixel. Peut-être que je peux fermer la porte en fait. Peut-être parce qu'il faut fermer la porte. Si c'est ça, je rigole. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec le deuil là-haut. Alors faut creuser un. Quoi? Alors les gros cailloux à côté du ruisseau, faut creuser! Mais comment on sait qu'il faut creuser? Ceux-là? Ou celui-là? Ou celui-là? Ah! Ouais, non, ils sont juste éparpillés. Ah, bon, je veux bien qu'on creuse n'importe où, mais. Creuser, alors, creuser avec un truc comme ça, bien sûr. Pourquoi c'est pas là? Faire des gros cailloux, c'est vachement précis. Moi, le seul gros caillou que je vois, c'est celui-là, mais il n'y a pas. Il y a des petits cailloux, mais c'est pareil. Il s'y passe rien. Là, il y a un galet encore. Alors, dimanche jusqu'au prochain mois, tu continues le jeu PS+, tu fais autre chose. Non, les dimanches normaux, là, en ce moment, c'est Gravity Rush 2. Si t'as plus d'indices que les gros cailloux GLX, moi je prends, hein, parce que là. C'est entre les feuilles d'érable et les machins. Hein. J'ai toujours joué avec mon galet, là, mais. Oh, je vois pas où il faut creuser. Il faut creuser un endroit avec la branche vers les gros cailloux du côté du ruisseau. Je suis circonspect. Je suis largué. Il y a d'autres cailloux là, peut-être que. Bon, c'est pas du tout près du ruisseau, mais on sait jamais. Là, il y a des gros cailloux de l'autre côté, mais ils sont de l'autre côté. Là où je peux pas aller. Il y a une zone de 3 cm où il faut creuser les étapes. Hein. Ouah putain, ça y est, je trouve. Ah non, c'est le ruisseau. C'est juste que ça va un petit peu loin la zone de collision. Ouais, bah je sais pas. Je sais pas. Je suis largué. Back to the rivulet and go to one of the big rock pictures. J'ai pas la picture. Je ne prends pas la chenille, répéter l'action où je second big rock. Il n'y a pas de second big rock là. Déjà j'ai qu'une seule big rock. Il n'y a pas de zone. Bon c'est pas grave. Quelle heure? Allez, j'ai besoin de sauvegarder. De toute façon j'ai eu 3 trucs qu'on a fait. Hein. On va switcher sur la PS4. Attends, tu voulais une animation? Qu'est-ce que je vais te prendre comme animation? Qu'est-ce qui me reste des streams précédents comme animation qui traîne? Voilà, mettre ça. Attends, bouge pas. Hein.
Où allait Macroba? Ouais, ils ont tout planqué, là, couleur. Ouais, bon, à l'arrache la chroma, hein. Voilà, comme ça, tu auras une petite animation, tu verras que ça plante pas. Alors, je coupe la VOD, je la relance et je suis sur PS4.